Sirk va avoir l'idée d'utiliser ce génie de la comédie dans un rôle complètement dramatique. Et Edward Everett Horton dira que c'est le meilleur rôle de sa carrière. Et je pense que c'est vrai, car tout d'un coup, il donne une image, des couleurs complètement inattendues. L'incroyable frivolité du personnage, son absence totale de scrupules, la manière dont on a l'impression quand même s'occuper de ses affaires et non seulement quelque chose qui est problématique pour lui, mais c'est même une nuisance et que il éprouve une sorte de joie perverse à faire en sorte que tout s'écroule, que rien ne marche. Là, c'est une réussite, c'est une grande réussite, tant dans le personnage que dans le jeu d'Edward Everett Horton. Life is such a bore anyway. What are the lower classes coming to, Fager? Hein? I tell you, one of these days... Oh, look, champagne. Have some, Fager, have some. Thank you. You know, I've decided to give up drinking entirely. Well, that's a noble notion, Piggy. Did your conscience dictate that? No, my doctor. Mind you, I think it's very unhealthy to break a habit all of a sudden. Things like that should be done gradually. I quite agree. Gradually, we must disintegrate. I shall swear off drinking, too. Here's to sobriety.